Hey, salut mes petites gueules, bienvenue dans cet ultime level qui est sorti il y a quelques jours sur After the Fall. C'est aussi pour ça que... Putain, c'est vachement éclairé. Ça change tellement, je viens de faire le boulevard où je suis mort et le boulevard c'était vraiment dans le noir tout du long. Là j'ai l'impression, limite il va faire jour, mais pas jour blanc comme les autres levels du jeu. On va voir. En tout cas, là c'est full découverte, ensemble et rien que pour vous. Appuyons sur le gros bouton. J'ai repris mon Uzi, j'ai gardé le fusil à pompe, je vais commencer au fusil à pompe un petit peu. Fusil à pompe, ma grosse pétoire, et ce sera très bien. Ok. Monsieur, vous faites caca, c'est interdit. Mais qu'est-ce que... Il me casse les couilles le fusil là, qui veut pas bien reload. Tu me fais chier, ok. Tu l'as... Allez, c'est parti. Pas le temps de niaiser. Ouais. On va prendre ça. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Batterie, ok. Là. Ok, c'est par là. Puis d'un coup, il fait plus aussi jour que ce que je pensais. Oh, je suis déçu. J'aimerais passer par là, s'il vous plaît. Là, c'est mieux, dit le bot. Non, je crois pas, non. Ah, oh! Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on n'est pas au bout de nos putains de surprises sur ce level. Non. Yes. Ok. Regardez le soin. What the f... Ah, je suis con, c'est pas une grenade que j'ai. Je viens d'appuyer dessus, genre. Vas-y, je grenade tout ça, là. Je suis hyper mal placé, alors ceci dit, pour utiliser des soins, hein, genre, j'ai ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut tirer sur cette merde? Oh bah pardon, excusez-moi, je voulais juste passer. J'ai pas trop été hit, c'est bien. Parce que j'étais pas très bien placé, à vrai dire. Oh, oh putain. Ah putain, on sent que j'ai une crosse quand même. Cette arme, normalement, c'est de la merde en boîte, en barre, tout ce que vous... Ah, oh, merci. Let's go. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Je me demande vers quoi ça va nous emmener. Ce serait vraiment cool qu'ils aient prévu vraiment un boss complètement différent. C'est ce qui manque actuellement et ça manquait dès le début. D'autres boss, des spéciaux, ils en ont rajouté 3 depuis la sortie du jeu. Donc là-dessus, les mecs, ils ont vachement bossé. Mais là, j'ai l'impression qu'ils veulent pas qu'on avance. Hein. C'est l'arrosage automatique. Ça vous arrose la gueule, ça vous va? Ouais. J'ai plus avoir de muni déjà, qu'est-ce que je disais. J'aurais pas dû prendre mon fusil à pompe, putain. Là j'ai perdu de la vie. Toujours que 1 PV perdu, ça va. Attends, on recule. Plus la merde tout ça, hein. Y'a pas des trucs à choper par là? Si, l'herpès! Ah, très bien, génial. Merci. Moi, c'est dommage, ça aurait été bien que ce soit un trou sans fin. Ça aurait été visuellement beaucoup plus agréable. Y'a de la vie à gauche. Et toi, t'as de la vie? Bah non, t'as pas de vie. Ah, ça fait très le tunnel de l'effort d'aide, hein. Je crois qu'il y en a un dans Back 4 Blood aussi. Attends, je réfléchis. Oui, il y en a un dans Back 4 Blood qui était dans la bêta. C'est pas à ça que je pensais. Il y en a pas un dans... Comment il s'appelle ce jeu là? The World War Z?
Elle fait mal cette arme hein, quand même. Ah lui il s'en fout. Lui tu lui tires dessus puis il me court même pas dessus. Pas très rancunier. Je pense que je peux lui voler de l'argent. Je peux lui demander son rib et ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai vu qu'il y avait une... Yes, c'est bien ce que j'avais vu. Est-ce qu'il y a un bot qui a besoin? Tiens toi. Ouais, merci parce que ça prenait de la place. Et il y en a une autre ici. Je vais pas me faire chier avec les floppies, hein, clairement. Je vais plutôt avancer. Avancer, survivre. Search and destroy. Oh putain. J'ai cru qu'on voulait Mentai, là. On y est presque. Normalement, c'est 4 chargeurs, je crois, à peu près. Voilà, je fais péter tout le monde. C'est party time. Party time. Party time. Saurez-vous retrouver le nom de l'interprète de cette chanson qui est l'hymne de soirée avec des amis? Lui il est relou, faut qu'on le tue. Là il y a un jug en plus j'entends, ouais. J'aime bien la... Vite fait, même si j'avais lu c'est encore que des couloirs, cet update. J'aime bien le fait qu'on puisse leur tirer dessus en faisant le tour des voitures et tout ça. C'est quelque chose que je trouve assez agréable. Au niveau du level design, assez basique du reste de qu'on croise. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. C'est toujours moi qu'on appelle pour faire le ménage. Salope. Saloperie de merde. Est-ce qu'il faut choper ça? Non. Quand est-ce que j'ai perdu de la vie, putain? Faites chier, les monstres! Oh, nul! Ok, on récupère tout. On récupère tout pendant qu'il y a ces prépuces farcis qui pumpent. Genre... ils respirent les trucs. On va reprendre la pétoire. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ils sont en train d'avancer, les bots. Ah! Oh, attends. Oh, putain! Taras, ma barre de vie. Ah, ça a intérêt à valoir le coup. Et, ah, si. L'idée était excellente. L'idée était particulièrement excellente. Maintenant, vous êtes des gros connards, sachez-le. Il y a moyen de bien morfler, putain. Surtout si c'est à chaque fois les trois mêmes. Hein. Tu peux foutre en l'air des runs avec ça en jouant avec des randoms. Tu pètes le truc et tu te barres en courant. Ah là 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 là, tu peux le faire pendant le combat aussi avant, ça peut être encore pire. Donc c'est ici que le prépuce farci s'est écorché. C'est une circoncision qui s'est pas très très bien passée visiblement. Allez, venez vous battre. Voilà, très bien, on va passer comme les bots. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du cul? Non. C'est ça, c'est clairement un truc du cul, hein. Mais non, il y a une finette. Oui. Mais ça. Non, non. pas du tout, repose. Alors il a du soin, puisqu'on en fait du soin. Hop. Bon là, je crois qu'il y avait un autre truc. Hein. Non? Ok. Bon bah... Ah, encore une carte. Alors, c'est carte? Attends, non. Sois pas con, c'est les cartes qu'il faut, justement. Passer dans les portes. Merci, monsieur Obvious. On doit être là-bas. Et là, par contre, ce serait cool de trouver quelque chose qu'on connaît pas du tout. Voilà. Allez, là-haut. On en avait vu une dans le premier level. Il y en a une dans le premier level où je suis mort. Et ça manque après dans tout le jeu. Donc là, il y a une autre arme. C'est celle que j'ai ou pas? J'ai un doute. Ouais, c'est la même. Mais en fait, elle est un petit peu upgrade.
Ça, les trucs rouges, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Je les débloque, mais... aucune idée. Ok. Ok, ok. Bon bah écoute, ça m'a l'air d'être pas mal comme ça. Putain, le mec... ça va péter, je vous le dis! J'ai de l'adrénaline et j'ai une bombe! Ça ne fait pas combo, monsieur. J'ai de l'adrénaline et une bombe, je te dis! J'ai l'impression que sur les deux levels, ils ont rapetissé le truc parce que je dois vraiment me pencher alors qu'avant c'était peinard. On va poser la bombe. Ça. De quoi on peut avoir besoin? J'ai du soin. Franchement, une autre âge, j'en ai rien à foutre. On va faire ça. Ça va servir à rien, ça va servir strictement à rien. Allez, venez, tas de cons. Putain, je vois rien en plus. Il est sympa le level. Ah, on va dehors. Ah bah ça y est, on voit mieux maintenant. La fin du buff. Alors, c'est sympa, ça ressemble beaucoup au tout début du premier level. Alors là, ils vont arriver, il n'y a qu'un pont. Je veux dire, au niveau du design, les mecs, vous êtes pas dit que c'était un peu con, ça, comme... Allez-y, venez. Ah putain, ils peuvent sauter. Ah, ils passent par en haut. Ah, c'est de l'inverse que j'ai. Ah, mais les munitions partent 100 fois trop vite. Alors... le truc aussi que j'avais vu sur ce jeu qui était assez incroyable, c'est qu'il y avait des gens qui cheataient alors qu'on est sur un jeu. Alors, ils cheataient en PvE surtout, parce qu'il y a du PvP aussi. J'ai jamais trouvé de lobby donc j'ai jamais pu en faire. Et en fait, ils avaient un mode, je sais pas exactement quoi, et leur fusil à pompe rechargeait tout seul. Donc en fait, ils tiraient en full auto avec leur fusil. Et c'est assez rigolo, c'est pas des mecs qui te faisaient gagner des runs quand même. Alors qu'il y avait les dégâts du fusil à pompe, mais ça ne suffisait pas parce qu'ils étaient trop mauvais à côté. Pour te permettre de terminer un run. J'ai toujours trouvé ça amusant de voir des mecs qui cheat et qui sont incapables de te faire gagner. J'en avais vu sur Gunfire Reborn également. Un mec qui avait mis un truc qui faisait qu'à chaque fois qu'il tirait toutes ses balles, allait vers les ennemis. Donc il loupait jamais. On a réussi à perdre au boss final parce qu'il savait pas esquiver les trucs. Il savait juste tirer comme un blaireau. J'arrêtais pas de le raise, c'était une vraie honte. Et je trouve ça fou. Parce que les mecs ils étaient à pan 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 avec le fusil à pompe quoi. C'était pas... voilà, pampan quoi. Mais je trouve ça dingue. C'est... je comprends que tu utilises un mode si t'es aussi mauvais que ça. Par contre, fais-nous gagner, putain de merde. Donc ça a été dégagé, hein, bien sûr. Tout ce qui a été cheat, ils ont un peu bossé dessus pour que les gens arrêtent de cheat sur leur jeu. J'imagine que le mode marchait aussi en PVP, auquel cas là, ça devenait vraiment problématique. Allez-y, passez devant. Passez devant. Il est en train de se retirer. La technique bien connue du « je me retire au dernier moment » et après dire « mais pourquoi je suis devenu papa ?» Ta gueule. Voilà, la 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 la. Et sur, ça fait quand même des dégâts complètement cons sur les ennemis. Après, il y a des upgrades hein, pour les dégâts, donc c'est-à-dire qu'au début c'est fort, maintenant c'est très fort. Mais le reload peut être capricieux et vous amener à prendre des coups là où normalement ça n'aurait pas dû arriver. Et c'est jamais agréable, clairement. Ils ont trop fait de trucs ici pour que ça serve à rien. Ah si, ça sert strictement à rien. Ok, toi là-bas, pan. Ça va déjà reload, j'ai pas compris. Mais je crois qu'on peut débloquer dans les mods. Alors là, on parle des trucs legit, hein, dans les trucs qu'on débloque avec les floppy. Des chargeurs plus gros pour le fusil à pompe. J'en ai pas, ça me saoule, j'aimerais bien. Pour pouvoir tirer plusieurs fois sans reload. Je sais pas si c'est full auto, j'ai jamais vu en action le truc. C'est, enfin, semi-auto, c'est-à-dire qu'après tu les reloads tous. Ce serait bien.
Ils sont où mes amis? Ils reculent encore, bah je fais pareil. Je fais pareil. Derrière, mais il y a un gros qui explose. Yes. Bien entendu. Oh merde, c'est assez rare pour que ça arrive. Wouah ! Putain, j'ai perdu trop de PV, à moitié de ma vie, ta race. Bon bah donnez-moi de l'argent. Mais ça c'est horrible, tu te fais tuer 200 fois quand tu fais ça. Attends, on va arrêter la masse. T'entends des bruits de laser, t'es là, c'est... Toutou ! C'est le début de la chanson Blue de FL. Toutou ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis bloqué ? Qu'est-ce que... Ah non, et tu me bloques pas, hein. Est-ce qu'on peut changer le mode de déplacement? Alors attendez, réglage. Mouvement. Téléportation, je suis beaucoup trop fort, je suis beaucoup trop malin. Non, attends. Qu'est-ce que... Ok, allez, maintenant que c'est fait, est-ce que je peux repasser en... glissade? Ok, putain, ça m'aurait cassé les couilles. J'aime pas j'aime pas beaucoup refaire les records. J'aime bien ne pas l'aspect un peu frais qu'on peut avoir quand tu fais des blagues pour la première fois. Et surtout, au grand surtout, quand tu découvres à 100%, t'es là, ah je me le garde, je me le découvre avec vous, machin. Et là, le truc il plante, t'es là, sérieusement, ça casse les couilles. Bon, le level est un peu plus long, j'ai l'impression, que le level précédent. Sauf si, là, ça nous amène à la zone de fin. Aucune idée. Allez, putain, culé, mais on sort pas du... Putain. Mais arrêtez de sortir de cet ascenseur, bande de mongoliens. Oh, les bots, tu fais un pas en avant pour te cover, ils avancent. T'es là, mais vous foutez de ma gueule. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez me sucer la bite, c'est ça? Qu'est-ce que... Ok, bon, on va mettre la zip. Donc il masse deux soins. On va pouvoir prendre une grue. Dispositif, ouais, ça c'est si on veut des roquettes en plus. Si on a... Enfin, c'est-à-dire qu'on peut en avoir qu'une de... Oh, des chiottes, c'est incroyable, vous avez pensé à tout ici. Je suis trop content. Ça va être rigolo. Alors ça c'est cool. Pour une fois que dans la zone de... Il y a des choses à faire. C'est vrai que c'est un peu l'ennui. Mais ça aurait été rigolo qu'il y ait une disquette. Ok, bienvenue en prison. Je suis vraiment désolé pour ces lancers. Du début à la fin, ça aurait été de la merde, hein, les lancers vraiment. Ah putain, ils peuvent passer ici. Ah, ça pue. On va attendre. Je reste pour le moment à l'usi parce qu'il me reste une grenade dans ma main. Hop, ok, attends, hop. Fais-moi ça, t'as de sac à merde. Voilà. Il y a un truc qui arrive. C'est quoi? Donc c'est un jug, jug à mitraillette, non? C'est un jug. Ok. Il est pas solo. Alors là, par contre, on est mal barré parce qu'on lui a fait très peu de dégâts et il est pas loin. Voilà, ce que je disais, très mal barré, tout ça. Est-ce qu'il a réussi à tuer quelqu'un? Je suis pas sûr. Non, ils sont tous là, hein. Bien sûr. Tu viens de te prendre du plomb dans la gueule, Gisèle. Si on passait comme ça, là. Hop, on avance un peu. Est-ce que ça passe? Merde. Non, je n'ai plus de munitions, on court. Allez-y les bots, faites des trucs. Faites ce que vous savez faire de mieux.
En fait, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de nous filer des flingues. À ce moment-là, quand j'ai vidé mes deux armes, il me faudrait un gun. T'avais pas un gun, toi? Oh, aïe. Attends, on charge des munis. Y a pas de mini du tout. Genre Zobie la mouche quoi. Ah ils sont radins les enculés. Alors autant le jeu de base hors map complémentaire niveau munitions ils nous en donnent tout le temps. Autant là les mecs va falloir être un peu moins punk quoi. Ah, yes. C'est généralement que 3 qu'il faut faire, c'est un peu toujours. Je dirais que c'est dommage, mais c'est pas la fin du monde si... Par contre, faut pas de... Mettez pas les monstres, hein, vous m'avez toujours pas donné de munitions. C'est donnant, les mecs. Pas de munitions, pas de monstres, ok? Bon, bah... Si je suis avec des bots, j'y vais le premier, j'ai pas le choix. Ah, ils auraient pu faire passer un truc, là, histoire de me faire peur. Alors c'est encore possible hein, de nous faire peur là, clairement. Alors bon, moi le vertige envers nos passes à l'âne. Hein. Enfin, je fais pour, donc ça ne fonctionne pas. Ok, alors il y a quoi ici? Y a rien. Et donnez-moi des putains de munitions, sérieusement! Elle ne me fait plus rire. Là? Non. Je vais crever juste parce que j'ai pas de mini. Est-ce qu'il y a encore un connard? Non. Voilà, par contre, c'est... Ah, merci, putain, je vais trop peu. C'est un petit peu rouge comme endroit, hein. Alors, on va avancer. On va avancer doucement, hein. Ah, il y a des mini, ok. Oh là là. Ok, zone de fin. Par contre, je vois des mini verts, je vois pas des mini violettes. Ça me dérange. Mini violettes, c'est bon. Alors, j'espère que. Il y a quand même un gros trou, hein. J'allais dire, j'espère que c'est un nouveau boss. Alors, je vais me gratter les fesses avant d'entamer le truc. Bah. Ah, ouais, voilà. Un truc que. Donc, ça laisse peu de place à un doute, ce gros trou, si je puis dire. Donc préparons-nous à un décès imminent. Mais on se sera bien battu ensemble, le petit gueule. J'espère que ça ne fait pas perdre de la vie. C'est pas un poison, c'est pas très gentil sinon. Alors, qu'est-ce que... Ah, ça arrive de partout. Faudrait qu'elle se reload. S'il vous plaît. Oh putain. Ah c'est de mon. C'était pas des mini violettes ici? Je vais chercher les vertes. Je les ai pas prises il me semble. Hein. Dis-moi que les vertes. Putain si aussi. C'est en restant à côté qu'elle reload pas les mini violettes. Je suis en train de. Ah si, c'est bon. Il va ressortir, là, vu le bruit, il va ressortir du trou. Yes. Donc on va devoir à nouveau péter des trucs. Peut-être pas les péter trop vite. Parce que si ça lance une phase complémentaire à celle qui est déjà en cours. Hein. Ah ouais, mais attends, on perd de la vie. Si, si, c'est un poison. Oh, l'enculé de boss de merde. Il est où le dernier truc? Il est là-haut. Alors, super. Très, très, très bonne idée. Mais c'est pas fini. Mais comme je disais, dans un jeu où tu ne gagnes pas assez de choses avec la loose, c'est peut-être pas la meilleure idée.
Ils devraient nous donner des lots de consolation en fait, c'est un peu ce que je demande. C'est ce qui manque. Par contre, une fois qu'on lui a refait tout ce furoncle, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin? Alors on va fermer notre gueule parce qu'on n'y est pas encore. Il envoie pas trop des spéciaux, j'imagine qu'en le disant, il va m'en envoyer là et c'est la malédiction. Toujours pas mort, hein, c'est ce qu'il me semblait. Des munitions, yes, c'est ce que j'allais dire là-bas. Ah, je tire entre les jambes pour avoir des... Pour avoir des munitions, c'est trop bien. La précision de cet homme. Presque mort, pas encore, mais presque mort. Allez, c'est parti pour les spéciaux. Il est où? Cours. Je suis tellement focus. Il y a une troisième phase. Ah le bâtard. Pas de quatrième hein. Je suis solo. Je suis solo et j'ai utilisé mon dernier sang. Ah sérieusement? Sérieusement les mecs? Ah ils ont respawn. Les mecs ils ont respawn. Oh putain! Alors, ils ont fumé de ouf. Et en même temps, il fallait bien un truc dans ce genre. Hein. Ah, je suis dead. Bon bah on saura pas ce que c'est que la fin du jeu, c'est très très dur, je pense que ça se fait pas avec des bots. S'il fallait le refaire, je ferai une recherche de lobby avec des joueurs et on leur pèterait la gueule. Si vous avez envie de voir ça, on peut l'enregistrer, on peut le recorder avec des joueurs, c'est pas grave, on aura un vocal de douchebag avec des gens chiants. En tout cas, voici pour le moment toute l'aventure d'After the Fall, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser me faire un retour complet sur l'aventure si vous avez tout regardé. En tout cas, merci à vous. Et si ça vous a plu, on lancera sur d'autres jeux. Peut-être pas forcément vert. Hein. Le but, c'est pas de vous filer la gerbe à chaque fois. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve dans les prochaines vidéos, les prochaines games, les petites gueules. Allez, salut !